Si c'est un laboratoire, vous n'avez rien à y faire. Bon, aujourd'hui on est à La Rochelle, on est avec toute la team là, franchement c'est une des premières fois où on est réunis, on est 10, mais bon il y a un petit problème. Alors on est tous blessés les gars, donc il y en a 5 qui peuvent bouger, 5 qui sont un peu blessés, mais on va quand même bouger aujourd'hui, on est à La Rochelle, ça va être incroyable les gars. Donc là on est sur un premier spot, on va bouger, il fait pas très très beau et on va trouver quand même plein de choses à faire. C'est parti. Ça pleut mais bon, ça pleut pas encore assez fort pour nous empêcher de traîner. On vient à peine de faire l'intro et de se chauffer, il se met à pleuvoir les gars. C'est quoi ce temps là? Comment on est accueilli? Le soleil a fait son effet là, ça a bien séché le spot. Du coup c'est grave cool, on va traîner là. On a bien attendu que la pluie ait passé parce que c'était horrible tout à l'heure, il a plu tellement fort. Du coup là on est tellement content, ça va envoyer des dingueries. Tranquille, tranquille. Vamos, allez. Genre vraiment un tout petit peu les espacer. Du coup on m'a demandé pour dépasser les petites tables, on va voir si ça va le faire. Ouais. Let's go. Merci beaucoup. Allez, descends. Oh yeah. Quel tank! Ah la machine! Il m'a trouvé un petit corps presse lui. Du coup bah, je vais faire des prépés, on va voir si ça passe quoi. Ouais t'es bon hein. Oui. Donc on vient d'arriver à l'autre spot, donc on est au spot de la concurrence. Tu sens comment Romain? Ça va. Ça va partir. Ouais, tu le fais après. Mais ça, normalement, avant, quand j'étais jeune, je pouvais le faire. Ah ouais? Je faisais 6m50 en sort en longueur. Ah ouais, quand même. Pour ça, j'aimerais bien voir combien il y a entre les deux. Je pense qu'il doit y avoir 4m50. 4m, 4m50 là. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait surtout se passer. Il y a une petite descente. Il y a de l'appréhension. Mais il y a de la puissance dans ses jambes. Allez, boy. C'est top, c'est incroyable. Ouais. Yeah. Mais arrêtez. Je peux en faire un dernier? Non. Vas-y. Un dernier. Si vous sautez, j'appelle la police, je t'embarque. Mais on sera parti avant que t'appelles. Vas-y. Allez, fais. Regarde là. Hein. Oh yeah. Putain, ça fout la pression là. Allez, non. Yeah. Allez. Là il y a Romain qui va essayer de passer au-dessus du petit ruisseau de mer là. J'aime pas trop ce qui se passe. surtout vu l'eau qui est en dessous. Et tu atterris où? Bah sur ça là. Je peux même pas décrire ça comme un mur. Parce que bah c'est rond en fait. Ça va être génial. J'espère qu'il y en a un qui va tomber dans l'eau. Wow. Allez, il est pas tombé. Léo il a drifté de ouf, il a failli tomber en arrière. S'il tombe en arrière, c'était là-dedans. Aucun de vous n'a envie de tomber là-dedans, c'est sûr. 1-1, 2-1, 2-2. Yes! Oh, tête. C'était serré, ma gueule. Je me sens archi pas de faire ce genre de truc. Oui. Oui. Oh, il a survécu! Allez. Allez, mec. Allez. Yes. Là. Qui
C'est la première fois qu'on est tous ensemble dans la Wheezy, qu'on est tous réunis. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une jam, sauf que c'est que la team. On est tous là. On vient d'arriver devant le roof gap. C'est juste au-dessus là. On va essayer de monter pour le faire. Il faut qu'on trouve un accès sur ce toit là. Et sur ce toit là. Ouais, il est prêt. Il y a plein de vent, c'est un peu chaud là. Ça fait peur. Ok, 3, 2, 1, go. Ça va tes jambes? Ouais. Yes. Oh putain, il est trop lourd. Yes les gars. Ah, c'était une singerie. Vraiment, il a éclaté le front. Incroyable. Du coup, bah, maintenant on a fait le saut. Le toit il fait 4 km de long et il faut qu'on trouve un endroit pour descendre parce qu'on est de l'autre côté. Genre là. Il y a une échelle, on descend ici, on marche tout le long de la pousse, le drop à prendre, et après je pense que c'est facile. Oui, on va. En vrai là on a eu trop de chance parce qu'en gros on est descendu, on a fait un drop genre dans une petite terrasse qui était habitée et il y a un chien qui a aboyé quand on a fait le drop. En gros là il y a une petite couille, c'est que les gars sont redescendus et ils ont pas récupéré le sac de Léo. Le souci c'est que il y a le gardien qui vient de monter sur le toit et qui vient de le récupérer. Et du coup Léo est là-haut, il arrive pas à le trouver et du coup on va devoir aller voir le gardien et essayer de négocier pour récupérer le sac. Bonjour. Vous avez perdu où? Qui c'est qui vous a dit de monter? Oui, non, mais je descends, mais. Ici, c'est un laboratoire, vous n'avez rien à y faire. Je crois que ça va fermer les week-ends. C'est bon, je travaille toute la semaine aussi. C'était qui? C'était Francis, j'étais à la fac ici, du coup, je le connais bien. Alors? Il a récupéré mon sac. C'est le mec qui nous fait, ouais, vous avez sauté et tout. Oui, c'est nous qui avons sauté. Ils vont rester là, ils avaient pris en photo nos cartes d'identité. On allait partir, et là, il y a la voiture de keuf qui arrive, on s'est dit, putain. Rebelote. Finalement ils ont été cool en vrai. Ils ont juste dit on fait pas de conneries sur La Rochelle. Non tranquille mec. On voulait vous parler de notre nouvelle collection Wheezy Tag. Donc on a deux différents modèles, donc soit un blanc avec une écriture noire et avec l'écriture dans le dos en gros avec le gros Wheezy Tag, ou alors soit en noir avec l'écriture en jaune. Voilà, ce t-shirt on l'a fait nous-mêmes de A à Z. Donc Mathieu il a fait le dessin, après on l'a scanné. On l'a mis sur Illustrator et puis ensuite on a fait le t-shirt nous-mêmes en sérigraphie. Donc voilà, maintenant ils sont là. Ils sont disposés sur le shop, n'hésitez pas à en prendre, ça fait trop plaisir. Donc, soutenez-nous. Le lien dans la description les boys. Bon bah là, deuxième jour à La Rochelle. Il fait beau, il fait chaud. Là Fab il est en train de nous préparer un bon gros tas de sable. Ça va envoyer de ses dingueries. Des dubsides, des dubbacks sûrement. Ça va être une dinguerie. Wheezy tour jusqu'au bout. Ah, des courbatures là un peu. J'ai une bonne idée d'animal un peu. Genre tu fais muscle up explosif et tu casses derrière. Genre de là. C'est parti si fort. Il est chaud. C'est ça, c'est prep de KG, c'est n'importe quoi. Il est si bas. Vous aimez le spectacle? Ah, magnifique, c'est beau. Ça change de la plage. Vous prenez la suite après? Oui. Je sens que vous êtes d'une nature assez sportive. Ouais, dans le temps, je faisais mieux que ça. C'est vrai? Bon, bah là,
ça va prep d'upside. Mauvais souvenir des upside, hein, le dernier que j'ai fait, j'ai fini en plat. Bon, c'est la vie, mais bon, il faut repartir. Là en plus on a fait un bon gros tas de sable, il y a de la hauteur, ça devrait aller, ça devrait passer crème. Yeah. Allez. Oh, yeah. Putain, là. Il y a le temps de triple. Pêche, il a. Oh, il était bien. Oh, 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 la crêpe bretonne. Ça va, ça va. Oh, il s'était pas très bien réussi, mais ça va venir. Au prochain, au prochain. Mais oui, et avec peut-être quelques conseils, il pourrait y arriver. Ouais, c'est pas moi qui vais le mettre. Hein. Sûr. Il y a pas un passé de gymnaste. Bon, c'est la fin de la journée, c'est la fin aussi de notre périple un peu à La Rochelle. On a repéré un phare qui s'appelle le phare du bout du monde. C'est une espèce de petite maison qui est sur pilotis. On va essayer de monter là-bas pour kiffer, pour faire une petite fin de vidéo. Let's go. Du coup là c'est la fin de la journée, on va aller faire une petite nage jusqu'au phare là-bas. Sauf que là il y a masse de vent, il y a plein de courant, etc. Du coup là on va essayer, ça part. Ça part en fin de vidéo mon pote. Ça c'est de la fin de vidéo mon gars. Yeah. Let's go. Le phare du bout du monde nous attend. Du coup là on va monter tous sur la grande tour, on va faire un saut et on va filmer sur le drone, let's go. C'est bon ? Ça donne. Ah, il a dit quoi? Ça donne. Il va le doubler. Allez. Oui. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Allez. Yes. Yes. Tu vas là? Ouais. Oui! C'est une vraie dinguerie. Dommage que les autres ne soient pas là. Mais bon, nous on kiffe. Nous on kiffe. Les gars, c'est la fin de notre vidéo à La Rochelle. N'hésitez pas à checker notre nouvelle collection. À dimanche prochain. Ciao.